Salut, salut, c'est Jack et je suis en compagnie de White. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va vous montrer une petite construction que j'ai fait. Putain, vieux. Attends, attends. Merde, je dois aller le chercher. Oh putain, je me Bon, suis il y a cassé. ces trucs, des petites. Comment on dit ça? Parasites sur la communication parce que j'ai reçu deux messages. C'est toi que je vois là-bas dans l'espace? Ouais, exactement. J'arrive avec mon cube. Non, je vais monter sur un rocher. Mais moi, je suis dans la forêt. T'inquiète pas, je suis bon pilote. Wow. Là, j'ai une vue de ouf ici. Tu as créé ce bazar ou tu l'as piqué sur le net? Non, je l'ai piqué sur le net, mais il est génial. Bien pratique pour quand Oh tu putain, dois. il est bien fait en plus. Tout Ah ouais, en il est génial. douceur. Salut Jacqueline. Tu montes? Il y a de la place. Ouais, Ah, il c'est. est terrible ce véhicule. Putain, ça tremble. Bon, si on le voit dans haut, normalement. Ah, il est là-bas. Ouais. Bon, c'est le début d'un bâtiment, hein, mais je vais te montrer le concept. Alright. Quand même passer 3 heures dessus, quoi. On n'a pas l'habitude de se poser aussi en douceur. Ah. Alors, Ah. je vous présente plutôt les prémices d'un hôpital. Ça ressemble plus à un cabinet de généraliste qu'à un hôpital. Ouais, mais pour l'instant, c'est les prémices, c'est pour ça que j'ai dit. Ok. Alors, on va directement aller à l'accueil. Hein. Pas être trop grand. Waouh. Je vais éteindre la musique parce que. Attends, je vais d'abord virer ce bloc à la con là qui me gâche la vue. Patiente dans la salle d'attente, j'ai la chiasse. Ouais. Donc, comme tu peux voir, c'est l'accueil. Hein, beau, y a un beau cadre. Il y a une caisse enregistreuse pour. Ben pour payer les médecins parce que ils travaillent aussi hein, Ouais. eux. Et je vais allumer la lumière. Ah ouais, c'est déjà mieux. C'est plus mieux. Hein. C'est les chiottes, ça? Ouais, c'est les chiottes, mais elles sont pas terminées. Il faudra aller chez les femmes. Tu dois y aller devant tout le monde. Ouais, j'ai pas encore mis les portes. Et alors, bah, chez les hommes, bah, il y aura des urinoirs et alors une chiotte, quoi. Voilà. Donc. Alors, on va passer directement ici, puisque quand on est à l'accueil, on va aller chez le. Comment on appelle ça? Le médecin diagnosticien ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, diagnosticien, généraliste, Ouais. machin quoi. Ouais. Et donc, il y a une salle d'attente ici, avec des sièges. Ah. Si t'as soif, tu prends un Kinébule. Un Red Bull. Ou un Red. Ouais. Donc, j'ai fait une petite machine. Hein. Voilà. Bonjour, qu'est-ce que vous avez? Yash, la chance. T'as la chance. Très bien. Touriste, hein, cet hôpital. On se croirait dans une navette spatiale. Je vous donnerai alors 2 cachets d'Imodium par jour. Ouais. Et après ça passera crème. Enfin, ça Bon, passera ça passe plus. déjà Non, crème. ça passera plus crème en tout cas. Ça passera mousse au chocolat, puis après Ça passe. chips. Ouais, Snickers. Oh, voilà. Ouvrons la porte, hein, tout en Là, ça fait douceur. plus cette espèce de. Non, c'est parti. La technologie. Ouais. Donc, ici, j'ai installé encore une petite lumière. Hein, pour ici. C'est plus beau. Ici, normalement, il y a un deuxième bureau qui va venir. Hein, médecin généraliste ou, je sais pas, centre d'auscultation. Maléfique ou un truc comme ça. Centre de vaccination. Ouais, Covid 66. Moderna, Pfizer, Jack Daniels. Jack Daniels, c'est un bon vaccin ça. C'est les qui sortent bientôt, ça, non? Ah, c'est Johnson et Johnson. Ah ouais, bon, Ouais. pareil, hein. Johnson, Jack Daniels, la même famille. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment, enfin j'ai déjà bien avancé, mais comme tu sais, un hôpital, bah, c'est pas fait en un jour, quoi. C'est comme Rome. Ici, je pensais aussi mettre encore un bureau. Ouais. Diagnosticien ou un truc comme ça, je sais pas. Je vais voir. Ici, c'est les premières chambres. Ouais. Ouais, chambre de jour. Ouais, parce Alors que vraiment, c'est à l'étage. ici une double chambre. De nuit. Ouais, pour les gens qui sont malades, hein. Juste quelques-uns, ils sont malades et puis. Ouais, je suppose que si t'es pas malade, tu peux pas réserver une chambre, Non, effectivement. non, Enfin, non. un hôtel.
Exactement. Alors, merde, putain, j'ai gâché la surprise. Bon, c'est pas grave. Voici un lift. Tiens-toi bien. Waouh! Excellent, hein? Il manque juste la musique d'ascenseur et c'est parfait. Ouais, On peut dire. En fait, j'aurais pu foutre la radio dans l'ascenseur. Ça aurait été mieux dans l'ascenseur. Ouais. For the next time. Ah ouais, ça c'est les chambres extérieures. Ouais. Ça c'est les chambres. chambres extérieures. Non, ça c'est les. Ouais, c'est pas grave. Ici ça va être, je pense, un secteur. Enfin, comment on appelle ça? Merde. Un service. Un service. Le service prématuré. prématuré. Non, prématuré. Le C'est la service. présentation qui est prématurée parce qu'il n'y a pas encore grand-chose dans cet hôpital. Non, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et puis, je vais enchaîner avec 2 étages, 3 étages. Et puis après, je vais un peu rallonger. Tu vois, il y a de la place ici. Donc, je vais pouvoir encore mettre quelques trucs sur le côté là-bas, comme un hangar ou un garage ou un parking souterrain, là où est-ce que les ambulances pourraient passer. Tu On peut pas creuser le sol. vois? Ouais, c'est pas grave ça. Tu sais ce que moi j'ai hâte de voir? Non. Le service des urgences. Ah ouais, ça viendra là. Avec les ambulances et tout le bazar. Ouais, ça viendra là, normalement, le service des urgences, et ça va passer ici derrière, avec, en fait, Oufti, ça c'est du boulot, hein. avec une porte de garage, hein, qui va s'ouvrir, et alors ça va directement arriver ici, et ici il y aura le service des urgences avec tous les lits d'hôpital. Donc, il y a du taf, quoi. T'as pas une chaussure à me prêter? Je suis en chaussette. Ah merde. Faudrait qu'on sache quand même qu'on peut dé ou Tiens. comment on peut. Ah merci. On peut débloquer des fringues. Elles te vont pas? Non, c'est pas ma pointure. Ah merde. Bon, tant pis. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais comme temps. On peut dire aux gens que t'avais commencé à faire un truc de la NASA mais que ton enregistrement a foiré? Ouais, d'ailleurs on peut aller voir maintenant puisque l'enregistrement foirera pas puisque j'ai tout en live sur le deuxième écran. On peut aller voir, ouais, éventuellement. Bon, attends, je quitte l'antenne. Petite ellipse. Allez, re les amis. Après quelques petits problèmes techniques, on a réussi enfin à se rejoindre. Et comme j'avais promis, t'avais dit ça, hein, que c'était un truc de la NASA? Ouais. Ouais. Donc je vous présente le NASA Space Missions et Training Center. C'est ça, hein? Bon, comme on est encore assez loin, enfin non, sinon on va aller à pied, tiens, c'est pas très loin. Ou sinon on survole le truc si tu veux. Ouais, on peut survoler le site. Ouais, on va survoler le site et On se remet devant l'entrée. Ouais. Bon, l'engin est à moitié peint, mais c'est parce que chaque fois que je touche à la peinture, je plante. Ouais. Jeu de merde. Finalement, Axolot annule les parachutes. Répare ouais, ton jeu. Donc, on vous présente les deux bâtiments pour l'instant. Hein. Il y en aura d'autres qui viendront par après dans le futur. Et alors, la fameuse fusée Spaceship SN48 ou je sais pas combien. Spaceship. Ouais, Spaceship. Ouais. Au moins, celle-là, elle explose pas, quoi. Et non, vous n'avez pas rêvé, sur ce bâtiment à notre droite, il y a bien écrit Vomity. Ouais. C'est pas ici que ça appartenait à ton père? De mon père. C'était à mon père. Donc on va vous faire le tour du propriétaire, mais maintenant à pied. Alors, on va laisser la fusée ici. Impeccable. Tu peux appuyer sur l'interrupteur. Yes. Wow, excellent. C'est joli, hein? Ouais, attention, je referme. Ouais. Welcome to the NASA. Ouais. Bon, normalement, je vais encore un peu peaufiner l'entrée et tout, mais bon. C'était un truc que j'avais fait dans le temps. Et j'avais laissé tomber ça. Et puis, après, j'ai relancé Scrap Mécanique. Et voilà, j'ai fait quelques bâtiments en plus. Donc, on vous présente le G01. T'as vu comme je cours en marche arrière avec style? Ouais, on dirait Michael Jackson, fait. Ouais. Attends, porte, ouais, j'ai enlevé. Celui qui connaît pas. Ouais, semblant.
Je vais enlever ce tabouret là de mes mains parce que ça, ça gâche la vue. Pourtant, c'est tout blanc. Ouais. Je rentre. C'est blanc. Wow. Alors, le G01. Voilà. Dans le temps, on avait des réacteurs, mais basiques, quoi. Tu vois, ça n'allait pas trop vite. Et là, maintenant, c'est des réacteurs nucléaires, quoi. on va directement tester, hein. Ouais. Je te propose d'entrer dans la machine, dans la centrifugeuse. Voilà. Je suis bien enfermé en sécurité. Ok. On se parle en radio parce que je vais pas t'entendre. Hein. T'inquiète pas, j'ai tous les boutons devant moi. Hein, tu m'entends là ? Ouais, ouais, je t'entends. Attache juste bien ta ceinture et ça va passer crème. Ouais, t'inquiète. Ok, t'es prêt ? Yes, I'm ready. Alors, puissance 1. Tranquille. Ça va, tu ressens les sensations de la centrifugeuse ? Tout à fait, balance la sauce, Jack. Ok. Ça va ? Ouais, là j'ai le Red Bull qui bouillonne dans l'estomac. Ah ouais, ça va alors. Et la porte qui se barre en couille. Je pense que c'était un peu trop là. Holy shit, j'ai l'impression d'être en main gros jour. Je sentais le G dans ma face. Là c'est violent en fait. Attends, je vais un peu te faire avancer. Ouais, ouais, arrête pas dans un seul coup, hein, c'est dangereux pour le seul volet. Oh putain, il y a du bordel ici. Tu m'entends ? Ouais. Ça s'ouvre plus, fieu. Attends, j'ai la solution. Tiens. Merci. Pas de doute, c'est bien. Construction made in BBTV. C'est un petit peu de vitre. Ouais, si ça s'ouvre pas, faut taper un coup. Ah merde, putain, ça casse en plus maintenant, c'est vrai ? Non, mais on va refermer. Voilà, donc ça, c'est la centrifugeuse G01. Nice people. Je fais partie de nice people. Je viens d'Amsterdam, connu pour son côté légal. C'est bon, ce truc. L'erreur lourd. Klich, vlag. Blur. Il délire. Donc, qu'est-ce que t'en penses, en fait, du truc ? Ça va, ça... Ouais, si celui-là, c'est vomiti... Ouais. Ça sent pas des masses. Ouais, mais là, je l'ai pas mis à fond, hein. Vitesse normale, quoi. Ouais. Non, sinon, je quittais carrément le bâtiment. Hein. Ouais. Moi, j'ai hâte d'aller jouer avec le suppositoire, là. Ah, ouais. Ouais. Sauf que mon jeu va pas planter d'ici, là. Non, à mon avis, non. Le cube ! Ouais, le cube. Ouais. Cube un peu amélioré, on va dire, parce que l'autre je l'avais fait en bloc, celui-ci je l'ai fait en mode tuyau. On va directement tester ça et après on va aller voir les bâtiments en haut parce que il y a aussi des bureaux et tout. Donc est-ce que tu es prêt? Ouais, toujours. Ah, attends, pause et la lumière. Ah ouais, excellent. Et tout de suite, il y a une ambiance un peu plus NASA. Ouais. Est-ce que tu es prêt ? Yes. T'inquiète pas, hein, si tu vomis, tu vomiras de toute façon de tous les côtés. Quoi. Tu vomiras. Allez, c'est parti. J'ai mon short. Ouais. Ça va, ça passe crème ? Ouais, ouais, comme à l'hôpital. Ok. Dans le calbut. Merde, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Désolé. On va d'abord revoir les bureaux, hein, puisque les bureaux c'est très important. Administrativement, c'est très important. Hein, j'ai fait... Moonwalk. Ouais. Michael Jackson. Dans Beadit. On va trouver Sam avec en rapport avec Scrap. Alors, il y a quoi comme pile de dossiers ici ? Alors, les dossiers verts, ce sont ceux qui sont acceptés. Hein. Et le reste qui sont pas acceptés, ben, c'est nos abonnés. Ouais, les 300 LV qu'on a perdu surtout. Ouais, voilà.
Donc les 300 et Days. La boussole à la bande de bouffons. Ouais, la cloche. Ah ouais, la cloche. La boussole. D'où tu sors ça, la boussole? T'as encore joué à un jeu d'aventure, toi. Ah, c'est peut-être parce que dans l'intro de Baby TV en avant-première, on voit Splendid Deep avec la boussole bleue en main. Ah, possible. Je l'ai revu juste avant de venir. Excellent. Enfin, en tout cas, voilà. Administration, très important. Les attractions, encore plus important. Ouais, moi, c'est pas trop la paperasse. Ouais. Plus dans l'action. Attends, je vais éteindre les lumières parce que ça coûte cher en électricité ici. Ça doit être, à mon avis, 100 euros la minute. Ouais, c'est ça. On va fermer la porte hein, parce que sinon il va faire froid dehors. Moi je dis que pour aller jusque là-bas, on doit aller chercher l'engin. Ouais. On va aller faire ça. Ok, bah tu peux rouler. Enfin, tu peux voler. Alors. Ok. Ok. Ah, ça se fait pas. Ouais. C'est pour si jamais on vole la nuit, quoi. Enfin, le jour où il y aura la nuit, quoi. Car comme j'ai dit en off à White, il prépare une mise à jour pour... putain, on n'entend plus rien. On arrive sur site. Atterrissage en douceur. Et voilà, fur. Impeccable. Enfin, les phares. Donc, on vous présente. On vous présente. La fusée. La Spaceship SN48. Voilà, puisque la SN10, SN11 et probablement la SN12 explosera en atterrissant. J'ai pris de l'avance, puisque celle-ci n'explosera pas. Tant mieux, parce que j'imagine que c'est moi qui dois la tester. Ouais. T'inquiète, je décolle cet engin et je te le pose comme si de rien n'était. Ok, je vais prendre un peu de la distance parce que ça envoie du lourd. Hein. Ouais, comme une lettre à la poste. Ouais. Oh putain, j'ai les pieds qui glissent sur la pédale avec mes chaussettes. Ok, Jack, I'm ready. Jack White, est-ce que tu me reçois? Yes, 5 sur 5. Ok, je vais donner le compte à rebours. Tiens-toi bien, accroche ta ceinture et bon voyage. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Ignition. Whitney Houston. Ignition. P2. P3. Ça bouge pas. C'est de la merde, tu veux. V5. Ah, voilà. Decollage. Excellent. Ouais, Yusundur, hein. Houston. Ici Houston, comment... Clear to land. Clear to land, yes. Take off successful, now land properly, hein, as to beefed. Yeah, yeah. Oh, shit! Ouais. It's alright. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sauté du siège, mais je suis resté collé à la paroi, ouf. Oh putain. Au lieu d'appuyer sur 4, j'ai appuyé sur E. Oh enfin, putain. Ça ressemble à un clavier. Ouais, ouais. Donc tu peux comprendre. Là, je me suis dit, c'est foutu, l'épisode est bon à jeter à la poubelle. Ouais. Et la fusée serait restée dans le ciel. Ouais. Putain, elle est complètement en skiff, la fusée. Non, ça passe. Non, je vais partir en vrille. Ça passe crème. Okay. Impeccable. Ta-ta-da ! Pour du pilotage, ça, mon vieux. C'est clair. Bon, c'est à mon tour. Ouais. Oh, tu sais quoi, j'ai une idée. Vas-y, dis. Je regarde décoller et puis je viens te chercher avec le moustique. Ah ouais, putain, c'est bon ça. Moi, je préfère le moustique que le crapaud. Et quand je suis près de toi. Ouais. On coupera les moteurs pour pas qu'on perde Space Shit. Ouais. Et tu sautes dans le moustique. Oh putain, ça va être chaud cette histoire. Ouais, c'est un truc un petit peu à la Tom Cruise. Hein. Tom Cruise. Allez, Tom Cruise.
Attends, je vais replacer la fusée dans à son. Pas possible. Ah, j'ai failli m'étouffer dans la formule, putain. Mission pas possible. Mission presque possible. Ouais, on va voir si tu y arrives. Hein. Attends, hein, je mets de nouveau sur son pas de lancement là. Hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Uf, putain, mission pas possible. Ça fait du bruit, hein. Pas en pas. Ok. Pas trop, hein, pour pas toucher le plafond de la liberté. Là. Ouais. Le et plafond de la liberté. Je sais pas si Musti va aller si haut. Ok, je suis en place. Ok. Déjà. Tu me mets le compte à rebours. Ouais, je t'éclaire, t'as vu? Ouais, ouais, je vois ça. Oh putain, alors, je fais pas dans les yeux. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Excellent. Moustique à space sheet. Space sheet, moustique. On vous suit. Impeccable. Je me sens comme un oiseau dans l'eau. Mais shit, attention, on s'approche. On s'approche d'où? C'est vous. Ah. Ready, space shit, for the transfer of mission impossible. Ouais. Putain, vieux. Ça crame. Ok, space shit. Je sens pas ton histoire là. Try the jump. Merde, putain. Come on, space shit. Come on, space shit. Yes. T'as pas été à l'interacteur, bouffon. Si, si, il va redescendre. On doit y retourner. Ah, t'as mis en... En moins fort, il va atterrir tout seul. Putain, ce serait magnifique, ça. S'il atterrit tout seul... On va le suivre, attends. J'essaie de gérer le moustique. On va essayer de se rapprocher un peu de la paroi. Parce qu'on descend, là, il monte, hein. Ouais. Ah, il va falloir que t'ailles le... Il descend ou pas? Ouais, il descend, hein. Ouais, il descend tout doucement. Pas cet engin. Ben, ça, c'est la mission la plus incroyable que j'ai jamais faite sur notre série de scratch mécanique. T'as un truc de ouf. On descend, hein. Attends, je vais aller voir parce qu'il est vachement loin du pas de tir, là. Ouais, il a dévié solide, à mon avis, c'est à cause de la tempête. Ouais. Irma? J'ai jamais été dans une tempête, mais j'ai déjà été dans une Irma. Va falloir que t'ailles passer la vitesse 3 sur Space Sheet, Jack. Ouais, à mon avis, ça descend pas assez. Ouais. Viens me chercher. Ouais, c'est ce que je fais. J'arrive fond de balle. Oh putain. Attends, je viens en vol. Oh putain. Excellent, t'as vu ça comment je suis devenu un cascadeur, tu vois. T'es un ouf, toi. Vas-y, grappe, on va aller chercher Space Sheet. Il y a pour des milliards là-dedans. Vas-y, c'est parti. Concentre-toi parce que c'est une mission de la plus haute... Fuck. Tu m'as fait ce con. C'est bon. Je prends les... Je rebondis. Je prends les rênes. On rebondit de ouf quand on tombe par terre maintenant. Eh, je sais pas, j'ai... Putain, le claquage que ça a fait. À mon avis, là, si t'as pas fait une entorse à l'engin... Bon, c'est moi qui vais essayer de récupérer les suites. Mais putain. Mais en jouant avec 1, 2, 3, là, pour les réacteurs et tout, j'appuie sur E sans faire exprès. J'ai les genoux au niveau de la gorge, là. M'étonne. Bon, dépêche-toi, on va faire space shit, mon... Vas-y, gars. Prends la place. T'es sûr? Ouais. Que j'arrête pas de merder, moi. Ouais, c'est pas grave. Ouais, décollage imminent. Immédiat. Il est où, space shit? Oh putain, il est loin. Attends, j'ai d'abord grimpé avant de diriger, sinon je vais encore faire la connerie. Et si tu te mettais sur le museau, là? Non? Tu penses pas que ça irait? Ouais, tu... peut-être moyen. Ah, U. Il faut que je fasse gaffe à mes touches, sinon je vais encore appuyer sur E. Tu te poses sur le museau et tu le pousses vers le bas. Montre tes talents de pilotage. Ouais, y'a moyen. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud, mais y'a moyen. Ah, non. Voilà, maintenant t'as un réacteur normalement pour faire descendre l'engin. C'est le 3, non? Ouais. Ça, c'est le klaxon. J'ai poussé là un petit peu. Hein. Ah ouais, ça descend. Ok.
quel talent, t'as vu comment on est des sauveteurs de l'espace, je... Comment on est des tordus surtout. On est mal mis, ça me dérange. Putain, quel épisode de ouf. J'ai un lag. Voilà, on redé... Zoom, je vois plus rien là. Eh, mais mets-toi droit. Attends. Je vais pas me mettre droit, ah si. Ah non, ça va pas. Oh oh. T'inquiète, je gère. Moustique, tranquille. Voilà, c'était chaud. Allez, vas-y. Mets-toi droit. Putain. T'as vu, elle déconne. Ah, au bord. Ah ouais, putain, c'est pour ça qu'il est bloqué, l'autre con, là. Ah, il ferait mieux de mettre une putain de barrière, parce que le mur invisible, c'est pas trop... Ouais, ça va venir avec la prochaine mise à jour. Mise à jour. Bon, il faut absolument que tu rentres dans le fauteuil de l'engin, on doit le poser. Je vais essayer. Je vais grimper sur la fusée et je vais essayer de faire un saut périlleux. Attends, je recule. Pas loin, regarde. Bouge pas. On va descendre tranquillement vers le fauteuil, mais d'abord je me place bien. Ouais. Tu vois, il est coincé contre le mur. Ah, c'est ça. C'est notre chance alors. Tu vas monter sur Space Sheet. Vas-y, grimpe sur le plafond. Pas par l'arrière. T'es prêt? Attends. Avance un peu. Vas-y, saute sur le fauteuil. Mais non! Non! Mais quel bout! Merde! Hein? Ah merde! J'ai voulu faire un truc spectaculaire. Y a un truc qui m'approche là! Oh putain! Enfin! Oh, fait chier cette fusée de merde! Putain! On va la laisser, elle va bien se consommer. Ouais. C'est bien marié en tout cas. Ouais. Enfin, bref, ceci était Jack et White sur épisode 60, je sais plus combien. Et on revient sur Scrap Mechanic très bientôt avec d'autres épisodes. Ciao, ciao! Salut, bisous.